vraiment que vous allez bien et aujourd'hui je suis tellement contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo parce que comme vous l'avez vu dans le titre, voilà, ce sera un concours pour les 10 000 abonnés. Si vous me suivez sur Instagram, je pense que ça doit faire à peu près un mois que je vous saoule avec ça parce que ça fait à peu près un mois que je sais que je vais pouvoir organiser ce concours. Donc je remercie encore la boutique voilà, qui a permis tout ça, donc Créaffirme. Et du coup je voulais juste également tous vous remercier bien sûr parce que voilà, c'est clairement les abonnés qui font vivre une chaîne et sans vous ben, je ne pourrais pas faire tout ça, je ne pourrais pas partager autant. Et voilà, c'est vraiment, YouTube c'est quelque chose qui arrive comme ça dans ma vie, c'est genre, je m'attendais pas en fait à un jour pouvoir accéder à ça. Donc vraiment merci à tous parce que voilà, grâce à vous je peux faire ce que j'aime et vraiment c'est quelque chose de tellement important pour moi. Donc voilà, je vous organise vraiment ce concours pour vous remercier tous, même si je sais que comparé à ce que vous m'apportez c'est rien du tout, mais j'avais vraiment envie de vous remercier un petit peu de cette façon. Bref, fin de la petite séquence émotion tout ça. Et je veux juste parler 30 secondes des partenaires, donc de la boutique qui a très très gentiment accepté de fournir les lots et notamment du budget qu'elle a accepté. En fait, je vous explique, pour faire court, lorsqu'on fait un partenariat en général, on demande à la boutique combien ils sont prêts à mettre, on choisit les lots sur la boutique et on leur envoie les liens des lots, en résumé. Et là, j'ai été tellement choquée parce qu'elle m'a dit bah, 100 euros en fait pour les 3 lots. Voilà, donc je voudrais vraiment les remercier énormément pour ça. Le lien de la boutique sera bien sûr en barre d'infos. Le lien de tous les lots voilà, que je vais vous présenter juste après seront en barre d'infos si vous voulez aller, voilà, s'il y en a qui vous intéressent. Si vous voulez éventuellement aller commander sur la boutique, n'hésitez pas parce que voilà, personnellement, je fais rarement des vidéos sur mes commandes où je montre tout, enfin ce que j'achète. Parce que je trouve pas ça super intéressant, mais je commande tout le temps sur leur boutique, tous mes pains viennent de là quasiment, j'ai beaucoup d'outils qui viennent de là-bas, enfin bref, c'est vraiment une super boutique hyper complète et j'ai été tellement heureuse de pouvoir faire ce partenariat avec eux, donc vraiment encore merci à la boutique. Juste avant de passer au lot, je vais prendre 30 secondes vraiment pour les conditions, mais déjà je vous explique pourquoi ça va être aussi court, c'est-à-dire j'ai fait un petit formulaire sur Google Form, voilà, tout bête. Mais ça va vous permettre de participer sans avoir à m'envoyer de mail et toutes les galères habituelles. Donc voilà, ce sera le premier lien dans la barre d'infos. Vous avez juste à cliquer dessus et vous le complétez. Donc faites gaffe de bien compléter tout comme il faut, de bien mettre toutes les informations valables et tout. Il y a droit à une seule participation par personne, ça semble logique. Mais du coup voilà, donc en termes de conditions, j'ai vraiment mis que des choses tout à fait basiques. Donc être abonné à ma chaîne et avoir l'accord parental, voilà, les petits trucs de base. En bonus, vous pouvez aussi être abonné à mon Instagram, voilà, pour un peu plus de chances d'être tiré au sort. Et ensuite, dans ce formulaire, je vous demande simplement les infos pour pouvoir vous envoyer les lots. Donc ça m'évite les petites galères que j'ai déjà pu avoir, c'est-à-dire qu'on tire quelqu'un au sort et il ne nous répond pas. Voilà, donc on veut lui envoyer les lots mais on ne peut pas, donc on est obligé de refaire des tirages, c'est compliqué. Du coup là comme ça, il y a toutes les infos d'un coup, voilà, j'aurai les adresses et tout, que bien sûr je n'utiliserai que si vous gagnez, donc voilà, votre adresse sera tout à fait confidentielle. Et de toute façon, ce sera des choses qui seront enlevées en fait après le concours, donc bien sûr, c'est pas quelque chose qui restera stocké quelque part, enfin voilà, il n'y a rien à craindre sur ce point là. Et du coup, c'est vraiment pour simplifier les choses au maximum. Donc vous aurez vraiment, ça prend une minute à compléter. J'ai essayé de faire que ce soit le plus simple pour vous. Et du coup, pour moi, ça va aussi simplifier les choses. Bref, tout est redétaillé dans le formulaire de toute façon. Si vous avez des questions qui ne sont vraiment pas déjà expliquées, n'hésitez pas à les poser en commentaire et j'essaierai d'y répondre à un maximum de gens. Deux petites choses, je précise juste que le concours est ouvert à l'international, voilà, j'ai décidé de l'ouvrir comme ça, même si vous êtes, je sais pas, au Canada, en Belgique, en Suisse, n'importe où, vous pouvez participer. Et pour la date de fin de participation, ça fait 2 semaines, donc je crois que c'est le 17, à peu près 17 février, je vous le mets là si je me suis plantée, mais normalement le 17. Et du coup, voilà, vous aurez 2 semaines pour participer, mais vraiment, ça prend une minute à faire, donc voilà. N'hésitez pas à le faire dès maintenant, comme ça, au moins vous êtes sûr de ne pas oublier. Bref, j'arrête de parler, c'est tout pour les petites infos utiles, et du coup, je vous laisse avec les lots, je pense que c'est ce que vous attendez le plus. Je précise que les lots, vu qu'il y aura 3 gagnants, ce sera 3 fois les mêmes lots, donc je ne vous les présente qu'une fois, mais ils seront, voilà. Il y aura 3 personnes qui vont remporter ces lots, et du coup, je vous laisse avec ça.
Pour les lots, on va commencer par ce qui est un petit peu dans les apprêts. Donc tout d'abord, je vous ai pris 10 petits supports de camé comme ceci, rond, trop mignon. Donc c'est une taille moyenne, je pense que vous voyez à peu près par rapport à mes doigts. Et il y a les 10 petites bulles en verre pour aller avec, donc voilà, qui rentrent pile, voilà, qui correspondent exactement à la taille. Il y a ensuite ce lot de 15 supports de marque-page, donc j'ai choisi de vous en prendre parce que ce n'est pas les apprêts voilà, les plus courants. Et c'est toujours sympa, je trouve, du coup, de pouvoir un marque-page avec sa création. Donc ici, vous avez 15 petits marque-pages argentés, voilà, en métal, tout simple. On continue ensuite avec, voilà, donc ça, je vous avoue que c'est un énorme coup de cœur. J'aime énormément ces perles-là. Et voilà, j'avais envie de vous mettre des perles dans les lots parce que c'est toujours sympa. Et celles-ci sont magnifiques, je vais vous ouvrir le sachet. Donc voilà comment elles sont. Je peux pas trop vous les montrer de plus près avec la mise au point. Mais elles sont reliées par un petit fil, voilà, pour être sûre de ne pas, je pense, les perdre ou quoi. Et elles sont vraiment magnifiques, avec un petit effet aquarelle. Enfin voilà, je suis sûre qu'il y a moyen de faire de super belles créations avec ça. On continue ensuite avec ce gros lot de 50 petits nœuds en satin. Donc il y a un petit peu de toutes les couleurs, voilà, il y a, enfin, bref, toutes les couleurs assez basiques. Et ils sont vraiment super mignons, donc je vais essayer de vous en sortir un quand même pour vous montrer. Voilà à quoi ils ressemblent, je les trouve vraiment super mignons, ils sont de super bonne qualité je trouve. Et pour des sautoirs ou voilà, même un porte-clés et tout, je trouve que ça peut aller super bien. On passe ensuite au pain de polymère. Donc le premier, c'est un pain de Prémo. Voilà, je vous ai pris que des... Je vous ai pas pris de pain de Fimo en fait, j'ai pris que des marques un petit peu pour changer, voilà. Et celle-ci, c'est la couleur ombre brûlée que personnellement, j'utilise énormément pour faire toutes les teintes de chocolat. Parce que voilà, je trouve qu'elle rend mieux que la Fimo chocolat. Et elle est un peu plus foncée, un peu plus réaliste, tout ça. Et du coup, c'était histoire de vous la faire découvrir. Donc voilà, je suis sûre que ça pourra vous servir. On continue ensuite avec un pain de Cerny translucide. Donc d'ailleurs, avec leurs nouveaux emballages, voilà, que je n'avais pas encore pu voir. Et donc bien sûr, la pâte reste la même. Et c'est celle que j'utilise absolument tout le temps. Dès que j'ai besoin de translucide, j'utilise de la Cerny parce qu'elle fait un super rendu. Vraiment des pâtes que je connais, c'est celle qui fait le plus beau rendu translucide. Du coup voilà, franchement, même pour faire des mélanges, pour faire des effets réalistes et tout, elle est géniale. Pour terminer sur les pains de polymère, il y a ces deux pains de cernite. Donc le premier, c'est la couleur, je ne sais plus le nom, voilà, la turquoise, bon tout simple. Et du coup c'est un petit bleu menthe super joli. Et la deuxième, c'est la couleur corail, voilà, que j'aime juste trop. Donc vous avez l'ancien emballage et le nouveau, d'ailleurs vous pouvez comparer les deux. Et vraiment, ces deux couleurs magnifiques que j'aime beaucoup, du coup j'avais envie de vous les ajouter dans les lots. Et le dernier lot qui coûte assez cher, voilà, c'est pour ça que j'ai préféré vous prendre un peu moins de lots, mais des choses vraiment utiles et qu'on n'achète pas tous les jours, c'est cette boîte de pastels. Donc je vais vous montrer en fait les miens, vu que ce sont exactement les mêmes, mais je ne voulais pas bien sûr vous ouvrir les boîtes des lots, donc voilà, vous les recevrez emballées dans leur petit plastique scellé. Et du coup, c'est donc des pastels secs, voilà, d'une super bonne qualité vraiment. Vous avez plein de couleurs pour les effets cuits, donc voilà, là, tout ça, tout ça. Et même toutes les autres couleurs, il y en a des très très belles, enfin genre, je sais pas, moi j'aime trop celle-ci. Et du coup, voilà, vous pouvez vraiment faire tous les coulis que vous voulez. Vous pouvez, même pour du dessin si vous le souhaitez, vous avez 24 pastels. Du coup, ces pastels, c'était vraiment le lot, on va dire, que j'avais le plus envie de vous mettre parce que c'est quelque chose de tellement utile. Et puis, ils sont vraiment d'une très très bonne qualité. Je suis sûre que voilà, vous pourrez faire plein de belles créations avec, même pour les effets cuits et tout, ils sont topissimes. Donc j'espère vraiment que ça vous fera plaisir d'avoir ça. Bref, vous avez tous les lots à l'écran et je précise encore une fois que tout ce que vous voyez à l'écran, ce sera le lot d'une seule et même personne qui donc sera fait x3. Donc j'allais pas vous présenter 3 fois les lots, mais il y aura donc 3 gagnants qui remporteront tout ce que vous voyez à l'écran. Et du coup, c'est tout pour la partie des lots, voilà, donc j'espère vraiment qu'ils vous plaisent. Donc voilà tout le monde, j'espère vraiment que ce concours vous plaira, que vous allez être nombreux à participer parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai mis du temps à organiser. Mais je trouve que c'est voilà, c'est un peu normal pour vous remercier. Je vous le redis, mais le formulaire pour participer est en barre d'infos avec toutes les infos. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Et les gagnants seront annoncés, donc je ferai le tirage au sort sûrement le dimanche 18 si je ne me trompe pas.
Voilà, donc c'est le lendemain de la date de fin d'inscription. Donc je ferai ce tirage au sort en live sur YouTube et je pense que je mettrai peut-être aussi les gagnants sur Instagram, enfin voilà. Et si vous avez gagné, vous serez prévenu par email de toute façon, donc n'hésitez pas à checker votre boîte mail autour de cette période-là. Encore une fois, je voulais juste tous vous remercier parce que 10 000 abonnés, c'est vraiment quelque chose d'énorme. Ça me fait tellement plaisir que vous soyez toujours plus nombreux à me soutenir, à tout ça. Enfin, ça représente vraiment beaucoup pour moi et du coup, encore merci à vous tous. C'est vraiment... Voilà, vous m'apportez tellement, c'est juste énorme, donc vraiment merci pour ça. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que le concours vous plaira également. Moi, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde !